Bon matin à toutes et tous. On se retrouve pour les énergies de ce lundi 7 février 2022. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez passé un beau week-end. Aujourd'hui, transition. Cette carte, elle rappelle que le changement est nécessaire et que la vie est faite tout simplement d'apprentissage. Alors, comme le serpent qu'on voit sur la carte, lors de sa mue, nous autres aussi, nous rencontrons toutes et tous dans nos vies des périodes de transition. Et ça peut être un déménagement, ça peut être aussi une rupture amoureuse, une reconversion professionnelle, un changement d'endroit. Ces changements peuvent être provoqués ou même subis, n'est-ce pas? Il s'agit d'une forme de prise de risque à laquelle on n'est pas toujours préparé et qui peut faire naître un sentiment d'insécurité. Pour retrouver la sécurité dans notre existence, n'est-ce pas? Il nous faut vraiment puiser en nous-mêmes, abandonner certaines de nos habitudes, certaines de nos croyances, certaines de nos attentes, faire un lâcher prise, ce qui n'est pas toujours évident. Mais la transition, quelquefois, est nécessaire dans notre vie et nous devons l'accepter, l'accueillir. Il nous faut puiser en nous-mêmes. Cela nous aidera à nous détacher du passé pour tout simplement nous concentrer sur le moment présent et l'avenir et accepter surtout ce passage avec plus de sérénité. Je sais, c'est pas facile. C'est pas facile lorsque on vit une rupture amoureuse. On est dans l'insécurité. On sort de notre zone de confort avec des décisions que nous devons prendre. Mais tout ça, c'est très salutaire. Et puis on est ici encore une fois en apprentissage. Nous apprenons, nous faisons des erreurs, oui. Qui ne fait pas des erreurs? Nous sommes êtres humains. Si nous ne faisions pas des erreurs, nous serions des anges, n'est-ce pas? Mais nous ne sommes pas des anges. Alors on fait des erreurs. Et il nous faut quelquefois dans notre vie passer par des transitions qui sont nécessaires pour continuer notre petit bonhomme de chemin. Et c'est pas toujours facile. Ce sentiment d'insécurité, tout simplement parce qu'on sort de cette zone de confort et on ne sait pas ce qu'il y a après, ce qui nous attend et ça nous fait peur. Mais la transition est nécessaire pour aller de l'avant. Petit rituel, alors si vous avez la possibilité, installez-vous confortablement. Fermez les yeux et prenez de quelques grandes inspirations
expirez. Visualisez votre corps ondulé à la façon du serpent. Laissez-vous guider vers votre nouveau vous. Faites le vide autour de vous. Imaginez un endroit où vous vous sentez bien, où vous vous sentez serein, où vous vous sentez fort. C'est bien. Vous êtes maintenant prêt à perdre cette peau. À faire vous aussi votre mur. Pour ouvrir un nouveau chapitre de votre existence. Laissez partir cette peau. C'est bien. Vous pouvez ouvrir les yeux et reprendre une grande inspiration. Bien. On termine avec le message lumière d'aujourd'hui. Choisir la lumière. Rien ne sert de nourrir mes peurs en m'inquiétant. Je choisis de vivre dans la lumière, de m'alimenter d'énergie positive. Et voilà que tout se met en place. Je m'élève au-dessus de tout, au-dessus des illusions de ce monde, au-dessus de mes doutes, et retrouve l'essentiel à ma vie, le Créateur. Eh bien, je vous souhaite une jolie journée. On se retrouve demain pour de nouvelles énergies, messages intuitifs. Et d'ici là, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Mets de la lumière dans ta vie. Sois optimiste. Lève-toi le matin et remercie pour la belle journée que tu vas passer. À demain.